Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée Vidéo Buzz. Cette semaine, nous attaquons l'affaire Lady Sonia. En effet, vous êtes sans savoir qu'il y a quelques mois, la coach Lady Sonia, alors invitée sur un plateau télé ivoirien, a affirmé qu'elle ne connaissait pas, absolument pas, notre coach national. Que dis-je ? International, coach Amon Chic, alors même qu'il y avait des conversations des deux qui fuitaient sur le net. Une affirmation et une réaction qui ont laissé les Ivoiriens pleins d'amertume. Mais bizarrement, ce n'est que maintenant, en 2023, qu'elle vient présenter ses excuses aux Ivoiriens lors d'un live en attaquant la plupart des blogueurs ivoiriens sans toutefois s'excuser auprès de coach Amon Chic. Des excuses que la majorité ont presque acceptées, mais trouvent hypocrites. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Coach Lady Sonia a coaché Dame Caviar. Hein? Elle lui a donné des conseils. Mais quand elle a vu que la Dame Caviar a commencé à percer, quand elle a vu que ça a commencé à marcher, Madame a commencé à ne plus supporter ça. Donc si tu as analysé aujourd'hui, après tant de mois, après une année passée, tu as analysé aujourd'hui pour venir demander pardon. Mais ton pardon, tu devrais prononcer Coach Monde dans ton pardon. Lady Sonia ne mousse plus. Ce n'est pas un pardon de façon très honnête. C'est un pardon intéressé. C'est une personne très intéressée. Elle n'est pas vraie. C'est une manipulatrice sur les réseaux sociaux. Et en général, l'Ivoirien, quand il s'attaque à quelqu'un sur les réseaux sociaux, à regarder de près, il attaque en général en représailles. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Mais il se trouve juste que des personnes, quand elles sont en début de carrière, elles nous en sont parce que, et après, quand elles atteignent le sommet, qu'elles nous servent, qu'elles se servent à nous pour faire un marchepied, elles atteignent un certain niveau de leur carrière, ou je sais pas quoi d'autre, qu'est-ce que je peux dire. En ce moment-là, elle nous crache là-dessus. Et il n'y a pas que Lady Sonia qui va payer les frais. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec de la xénophobie. Je me rends compte que sur la toile, certains blogueurs sont en train d'insulter Lady Sonia. Mais qui ne fait pas des erreurs? Et je vois certains blogueurs et certaines personnes dire que elle doit demander pardon d'abord à Coach Amon Chic. Coach Amon Chic est qui? Coach Amon Chic même là, qui est ivoirienne là, a traité ici même ses beaux-parents togolais de moins que rien. Elle ne s'est jamais excusée. C'est quoi? Au moins Lady Sonia a eu l'humilité. Vous voulez la rabaisser, l'enfoncer encore plus. Si c'était moi qui étais Lady Sonia, jamais j'allais demander pardon. Afin de Lady Sonia demander pardon aux Ivoiriens, concernant son problème avec Amon Chic, je vois les gens qui font les vidéos là-bas pour dire oui que le pardon là n'est pas sincère. Que oui, comme elle en baisse de popularité, c'est pour ça qu'elle cherche vue chez les Ivoiriens. Arrêtez ça, vous n'aimez pas la paix. Lady Sonia, elle avait déjà ses fans ivoiriennes avant que ces histoires-là arrivent. Vous comprenez? Si Dieu a touché le cœur de Lady Sonia, et puis elle vient demander pardon, parce que Lady Sonia, même elle a grandi en Côte d'Ivoire, elle vient demander pardon à sa famille ivoirienne. Où est le problème? Peut-être qu'il y a une paix qui se prépare entre elle et puis sa soeur à Amon Chic. Donc arrêtez de dire qu'elle cherche vue. Elle a demandé pardon, c'est pardon. Et je me rappelle comme si c'était hier. Quand la coach Lady Sonia partait faire sa convention en Côte d'Ivoire, on a tous soutenu. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a bien lavé les Ivoiriens pour mettre dessus. Oui, elle n'a même pas pensé à ceux qui ont soutenu. Hein. Donc moi, là, sur ma part, je me suis énervé. J'ai dit non, mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas te soutenir en tant qu'étrangère. Et puis tu vas venir nous traiter de xénophobe, ça ne marche pas comme ça. Elle a signalé ma page encore pour mettre dessus. Au lieu, tu viens demander pardon aux Ivoiriens. Au fait, le truc que vous devez savoir de derrière, là, elle a une tournée africaine à faire. Donc du coup, elle sait que là, le côté où ça paye bien, là, le côté où tous ses fans étaient là, c'est la Côte d'Ivoire. Les autres pays là ne la calculent pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ce qu'elle fait, c'est trafic d'influence. C'est-à-dire que on est là, on titille Coach Amon Chic, on fait nos trucs, mais on la préfère mille fois que toi. Moi, je suis une chrétienne. À part le coaching là, je crois en Dieu. Je ne fais pas comme vous semblant. Vous faites semblant de prier. Mais moi, je traite avec Dieu face à face parce qu'il m'a délivré de beaucoup de choses. Si ce n'était pas Dieu, je mourrais. Si j'ai demandé pardon, ce n'est pas parce que je suis faible ou parce que je veux venir faire quoi. Non, je vais vous dire la vérité. J'ai demandé pardon parce que depuis qu'il y avait eu cet incident-là, j'étais devenu raciste. J'étais devenu xénophobe moi-même. Et ça m'a fait mal. Le pardon que je suis venu donner là, c'est pour moi-même. Ou elle veut venir dans notre pays, je veux venir faire Côte d'Ivoire. Je vis en Suisse. Depuis que j'ai commencé le coaching dans tous les pays où je suis partie, j'ai toujours dit, je suis de père congolais. Je n'ai jamais nié mon pays. Jamais. Mais j'ai dit que mon cœur est ivoirien. Est-ce que vous savez
que dans votre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, le président de la République de votre pays, chaque jour, dit qu'il donne 1 milliard aux jeunes. Vous ne parlez pas de ça. Le peuple de Côte d'Ivoire, la seule manière de s'imposer à eux, il faut regarder l'histoire d'un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Ce monsieur a dit, je serai président de la République de mon pays, mon frère et ma soeur, peu importe les gens qui ont parlé, aujourd'hui il les dirige. Ceux qui sont passés sur le plateau télé annonçaient qu'il était un étranger. Aujourd'hui, les commandes. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu n'as pas la capacité d'apprécier l'action d'une personne qui décide de s'humilier, toi aussi, tu vas en payer les conséquences. Tu viens de prouver au monde entier que tu es une femme digne, une femme vertueuse, une femme capable. Tu es vraiment une coach. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.